the flames would higher. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames would higher. Flames went higher. Bienvenue au Paris Manga, c'est génial, c'est excellent. Regardez du cosplay, des boutiques, c'est incroyable, c'est japonais. Et salut tout le monde, c'est la 15-18 Radio pour cette nouvelle édition 2013 de Paris Manga en compagnie d'Andy. Salut à tous. De Stan. Salut. Et d'Orto. Bonsoir. Donc on va vous présenter sur ces deux jours. Eh bien, tout simplement tout ce qu'il y a, donc les comédiens de tournage, les acteurs, et qui ça encore? Bah, Bob Lennon, on l'a pas encore vu, j'espère l'avoir. Et voilà. Donc on vous souhaite un bon visionnage, à bientôt, c'était la 15-18 Radio, la radio qui... Je veux absolument connaître le responsable de la décoration. Et ici, comme nous pouvons le constater, l'étoile noire. Et voilà les amis, on se retrouve avec Brigitte Lecordier. Alors peut-être que son visage ne vous dit rien, et pourtant, elle a doublé de nombreux personnages. Bonjour. Bonjour. Donc, quel personnage as-tu doublé? De nombreux personnages. J'ai eu la chance d'avoir affaire à des dessins animés qui ont marqué un petit peu dans l'histoire. Donc déjà, chez les tout-petits, j'ai eu la chance de faire Bonne nuit les petits, Oui Oui, et tout ça, Babar. Et puis pour les plus grands, je pense que c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, j'ai fait tous les petits héros de Dragon Ball. Donc Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Trunks, C-18, Videl. Et pour vous prouver tout ça, une petite imitation. Bah la voix, bah c'est la mienne. Ah non, c'était Nuage Magique. C'est quand même assez incroyable quand même. Et oui, voilà, la voix de tous ces personnages. Alors dis-moi, comment tu trouves cette convention? Je trouve toujours les conventions sympas parce que c'est une façon de retrouver tous les gens qu'on n'a pas vus pendant des années, à qui on s'est adressé, et puis d'un seul coup, vous apparaissez depuis quelques années, et je trouve ça très sympathique. On n'a que des messages de gentillesse, de bonheur, et puis voilà. Tout simplement parce que vous nous avez fait rêver durant notre jeunesse quand même. Donc on se doute pas que c'est la même personne qui fait toutes les voix, et finalement quand on le sait, simplement on est assez fasciné quand même. Oui, mais ça fait partie de la magie de mon métier. Mon métier, dans mon métier, il n'y a rien qui est vrai, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on joue quoi, mais si on joue que ce qu'on est, c'est pas rigolo, alors que si on joue des trucs qui sont loin de nous, c'est notre métier, il est fait de ça et c'est rigolo. Moi ça m'amuse beaucoup personnellement et je suis contente que ça vous amuse aussi. Ouais, donc une femme qui joue, qui fait la voix de personnages masculins, comme de petits personnages, donc ça passe très très bien. Merci. Et qu'est-ce que ça fait du coup pour une doubleuse de ça se dit doubleuse? Non, en fait on dit comédien. D'accord. Parce qu'on est des comédiens, c'est vrai. Donc on joue au théâtre, on joue au cinéma, et puis on fait aussi du doublage ou de la radio, ça fait partie de notre métier. Le métier de comédien, il est fait de plein de petites facettes, et c'en est une. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et donc qu'est-ce que ça vous fait, comment ça se passe pour les gens de votre métier, donc comment ça se passe, comment vous êtes accueillis? Ici, on est accueillis par nos fans souvent, on est accueillis par des équipes qui veulent soit des interviews, soit travailler avec nous. Moi, là, je suis venue aujourd'hui spécifiquement pour l'équipe de Saturday Man. Ce sont des gens qui ont fait un film, un Sentai des années 80. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont filmé sans prendre les voix des comédiens, donc il y a des comédiens images, et puis il y a des comédiens voix, et c'est toute l'équipe de Dragon Ball que j'ai eu la chance de diriger, avec Marcus en plus. Oui, Marcus, donc qui présente des émissions de jeux vidéo qu'on connaît bien. D'accord, très bien. Eh bien, alors un petit message de fin pour la 15-18 Radio, avec une voix de personnage que vous voulez. Ben pour 15-18 Radio, et ben moi je vous dis... Yeah! Yeah.
Bonjour David, welcome in France. Merci, bonjour Ninou, donc il va traduire. Bonjour. Pour vous, est-ce que les fans français ont une particularité spécifique par rapport aux fans américains? What do you think about your French fans? Contrary to the American fans. Ils sont tout fous. Non, come on. Que penseriez-vous si jamais Disney rachetait Stargate comme Star Wars? What do you think if Disney bought Stargate like Star Wars? That's a great idea. 1518? Bonjour, Radio 1518. This is Dr. Zelenka from Stargate Atlantis. Bonjour, Ville la France. Thank you very much. Thank you. Interview avec Ken Bogart, commentateur de combat de Street Fighter, entre autres. Salut! Salut, comment ça va? Bah, nous, ça va très bien. Alors, comment ça se passe à la Paris Manga? Eh ben, écoute, c'est assez intéressant. C'est la deux ou troisième fois que je viens ici, mais la première fois que je passe en séance pour dédicacer des choses et rencontrer mon public. Donc, je découvre un peu. Pour le moment, je profite plus qu'autre chose. Je passe pour le moment un assez bon moment. C'est assez bruyant quand même, c'est la fatigue. Mais on s'amuse beaucoup quand même. Ouais. Alors du coup, je pense que tu as eu l'occasion de rencontrer pas mal de fans, de signer des dédicaces et tout ça. Ça te fait plaisir? Quel effet ça te fait? Ça me fait toujours plaisir, mais c'est vrai que mes fans sont pas spécialement habitués à ce que je fasse des séances de dédicaces. Du coup, je suis pas surchargé de travail quand même. Mais en revanche, dès que je me déplace dans les zones de tournoi ou dans les zones de canet session, voilà, là je suis beaucoup plus abordé, j'ai beaucoup plus de dialogue. Et finalement, c'est ce que je préfère à mon avis, aller directement rencontrer les joueurs quand ils jouent, plutôt que de les attendre derrière un pupitre. Mais bon, ça fait toujours plaisir de pouvoir proposer ça. D'accord. Alors, est-ce que tu pensais un jour pouvoir donc aller sur une grande scène avec Bob Lennon, il y a entre autres Kayane aussi, et commenter des matchs il y a encore quelques années de ça? Alors moi, il y a déjà pas mal de temps, hein, plus de 4 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. 6 mois plus tard, j'étais déjà sur la scène du Stunfest pour commenter les tournois. Du coup, je savais que j'allais continuer à aller commenter sur des scènes. Après, me retrouver avec des Bob Lennon et des Marcus à côté de moi sur des crossovers complètement improbables à la Capcom versus Namco, je ne sais pas. Non, je pensais pas que j'imaginais ça, mais c'est toujours sympathique de pouvoir participer avec eux. Ce sont des gens que j'apprécie, du coup, ça fait toujours plaisir, mais on s'éloigne quand même de ce que j'aime et de ce que je fais d'habitude. D'accord. Et bah écoute, pour terminer, est-ce que tu pourrais donc terminer cette vidéo avec ta voix, ta rapidité de commentateur et tout ce qui va avec, un petit comme ça? Avec ma rapidité de commentateur? Je ne sais pas, mais je vais vous commenter ce qui se passe ici à Paris Manga. Il est assez chaud. Pour le moment, la file d'attente des joueurs pour les dédicaces de Bob Lennon sont très très nombreux, alors qu'on tente une percée ici des t-shirts Asus avec un Mario Bros qui essaie de passer par-dessus la file. Incroyable dans le pressing et pourtant toujours aussi présent, alors que la file de Ken Bogard est toujours aussi vite. C'est pas possible ça, c'est le zéro de vital absolu. N'arrivera jamais à charger sa super avant la fin du time over. Et je sens qu'on va se retrouver très très mal d'ici quelques heures pour la fin de cette Paris Manga. Je te remercie, c'est toujours un plaisir et je te souhaite une bonne fin de Paris Manga. Merci beaucoup. À bientôt. Vite les gars, plombier. Enfin, je veux dire plan B. Bonsoir, il est Bob Lennon, le pionnier du Minecraft français. Salut. Alors je vais la refaire, tu es amateur.
Bonsoir, je suis Bob Lennon, et j'ai la voix complètement pétée ici au Paris Manga le 10 février, dimanche 2000XX, comme dans Megaman. Et c'est parti, vas-y. Ok, ça roule. Et ben, la dernière fois qu'on t'a interviewé, t'avais dit que t'avais presque à 300 000 abonnés. Maintenant, t'en es à plus de 400 000 en si peu de temps. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis à ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une érection virtuelle, voilà ce qui se passe. Non, honnêtement, je sais pas. Les gens se passent le mot, les gens trouvent ça drôle et continuent de regarder, s'abonnent pour de regarder de plus en plus. C'est pas forcément indicatif du nombre de gens qui regardent, mais c'est un super chiffre quand même de voir que... c'est combien, 60 000 personnes à Stade Paris-Bercy? Ouais, c'est l'exemple que t'avais pris. Ouais, bah pareil, bah 6 fois pour faire 40, faut faire combien? Ouais, c'est fois beaucoup, bref, c'est juste monstrueux et c'est tout simplement exceptionnel. J'ai aucune idée de comment ça se fait, mais c'est génial. Il y a de plus en plus de gens qui viennent te voir en convention. Est-ce que t'arrives à faire des dédicaces pour tout le monde? Est-ce que t'arrives à animer, etc.? Non, au début je pouvais. Alors animer, oui, il n'y a aucun souci. Au début, pour les dédicaces, je pouvais. Parce qu'au début, t'avais, je sais pas, 50 personnes, 100, 200, 300, et ça prenait 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et au problème, en fait, c'est qu'au bout de 6 heures par jour, voire 8 heures par jour, ça fait beaucoup de temps de dédicace et j'atteins, je vais être sincère, ma limite physique au bout de 6 heures. Au bout de 6 heures, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, je crève parce que rien que le fait de sourire, par exemple, c'est con, mais il faut faire une belle photo pour les gamins. Et en plus, il y en a des petits, ils viennent, ils veulent une photo et tout. Alors je leur fais le barbare. Ça passe bien, ça me permet de me reposer un peu, mais globalement j'atteins mes limites physiques assez rapidement. Malheureusement, je suis un gamer les mecs, je suis comme vous, je reste devant le PC toute ma journée. Alors, et puis c'est peut-être très con, mais le fait d'être assis, de se lever, de s'asseoir, c'est... J'ai l'impression d'être une gonzesse. Voilà, ou d'être vraiment bicurieux, enfin bref, voilà. Ok, ça roule. Alors du coup, on t'avait déjà croisé à une Paris Manga, il me semble, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de celle-là par rapport à la précédente? Alors de mon point de vue, même si j'ai pas pu énormément la visiter pour la raison précitée, très bien, bien organisé. Oh, c'est même pas des couacs, il y a deux trois événements qu'on sait pas bien pourquoi ni comment ou autre, que on fait rien du tout, on joue à chaque fou, ça ressemble à rien et puis c'est lol. Mais honnêtement, très bien organisé, tout est dans les timings, tout est impec, on a une très bonne assistance, l'endroit est complètement overbooké. Le seul défaut de cette salle, c'est juste qu'il commence à y avoir trop de monde, dans le sens où ça commence à vraiment avoir du succès et c'est difficile de passer dans les couloirs. Là où aux autres éditions de Paris Manga, je me souviens pas que c'était aussi tendu. Oui, c'est dimanche, forcément, le dimanche. Contrairement à ce qu'on pense, le dimanche, c'est là où il y a le moins de monde par rapport au samedi. Mais samedi, pour se déplacer, c'était juste impossible. C'est pour ça. Mais globalement, sinon, très bonne qualité de convention, excellent niveau. Il y a du bon goodies, il y a de la bonne animation. Et il me semble que l'entrée n'est pas extrêmement chère, en plus. Non, il me semble pas. Moins de 10 euros, je crois, alors que... Voilà. Eh bien, écoute, après cette petite interview, on va te proposer donc un défi. On t'en a parlé. On a proposé à Bob Lennon de nous faire Bob l'Hélium avec le ballon qu'il y a au-dessus de la caméra. Et ouais, alors on va le faire. Alors ça me fait rêver parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais testé ça et je l'ai fait aujourd'hui avec une fille qui était venue avec un ballon d'hélium ou autre. Il faut savoir que ça me donne la voix du Schtroumpf Lennon mais au ralenti. Et genre comme ça sans forcer. Et quand je fais le Schtroumpf, ça sent un truc encore plus. Alors on va tester ça tout de suite. Allez, décroche-moi cette merde, vas-y. Une musique d'ambiance pour patienter. Bob Lennon. Bob Lennon va choper un cancer. Avec toutes ses conneries. Et un œdème pulmonaire. Hey mec, ah, c'est trop fort. Salut le mec, je vis dans le slip de vos gonzesses. Ça passe super bien quand même. Attends, ça part. Mais j'ai pas compris, il faut le respirer ou l'avaler le truc? On va la faire. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et là je passe en accéléré parce que ça va beaucoup trop vite pour vous. Trop de vitesse. Trop de vitesse, sur la gauche, sur la droite. Et là tout de suite mes testicules commencent à gonfler comme les ténèbres. Tu vois, c'est absolument magique. C'est quand même formidable. Fais-en un dernier. Tu peux finir. En exclusivité, Bob Lennon se drogue. Bob Lennon, c'est ta pire barbe. Et là je peux essayer de parler en québécois. Bonsoir, c'est Bob Lennon. Un Bob Lennon québécois. Et magie. Non, je suis désolé pour tous les Québécois qui nous regardent. J'essaie en vain d'imiter votre accent complètement formidable. Mais je crois que j'y arriverai jamais. Oh, il est magique. C'est vrai.
Et bah écoute Bob, on te remercie pour cette petite interview. Maintenant on va tous aller bouffer. Et bah merci pour la drogue. Le 15-18 radio, parce que j'aime faire croire aux hôtesses d'accueil que j'amène des chevaux dans leur parking. Complètement épique. Voilà. Je te remercie. Bonjour, c'est Patrick Poivet, voilà, la voix de Bruce Willis. Et puis, posez vos questions, il n'y a pas de problème. Votre ressenti sur la Paris Manga ? Pardon ? Votre ressenti sur la Paris Manga ? Quoi ? Votre ressenti sur la Paris Manga ? Ah, bah oui, mais je t'ai dit que j'étais sourd, putain, t'es à 3 mètres. Alors, Paris Manga, c'est génial, pourquoi ? Et c'est plus important qu'on l'imagine. Ça représente 50 000 personnes en deux jours. Et surtout, c'est la fête de la vie. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens entre 15 et là, c'est, je suis extrêmement sérieux, j'ai pas du tout envie de rigoler. Entre 15 et 50 ans. Et aucun personnage qui représente la société au niveau important, j'espère que les gens comprendront ce que je veux dire, ne sont présents. Alors que c'est un mouvement très important qui permet aux jeunes d'exister. Salut, c'est Hervé Grull, la voix de Scott Pilgrim. Faites bien attention à vous et méfiez-vous avant tout des ex maléfiques. Parce que sinon, il va falloir se battre. Merci beaucoup. Le caméraman de Bibix, qu'est-ce que ça fait d'être employé comme ça, bénévolat, en plus t'es pas payé, c'est... Oh bah c'est le kiff, et puis bon si, je suis un peu payé quelque part vu que j'ai accès à la convention. Et puis bon, ça fait très longtemps que je le suis, hein, bien avant qu'il soit Bibix d'ailleurs. Et voilà, si t'as fait des bonnes journées, des bons délires, des micros à sniffer... c'est le kiff quoi. Voilà. Je me fais un peu battre parfois, il me fait un peu de fouet, un peu de cuir moustache, mais sinon tout va bien quoi. Il faut taper, il faut taper. Non, je déconne, il bosse tellement.